C'est un géant du journalisme qui vient de s'éteindre. Claude Imbert est né en 1929. Il aura marqué ses 50 dernières années dans le journalisme de manière très forte, évidemment comme fondateur du Point, parce que c'est lui qui a fondé le Point avec ceux qu'on avait appelés les 7 mercenaires en 72, le 25 septembre 72 pour être précis. Mais il avait commencé en Afrique, à l'AFP. Il avait même eu Patrice Lumumba comme pigiste, c'est un monument historique lui aussi. Il avait été patron de la rédaction de l'AFP à 29 ans, directeur de la rédaction de l'Express, et puis il a fondé le Point. Il a Merci. marqué le journalisme par sa rigueur, sa culture, évidemment, phénoménale culture, et puis son indépendance. Grosse C'est étonnement, c'est l'indépendance intéressant. légendaire de Claude Imbert, qui employait même cette formule formidable. Il parlait d'irrespect professionnel. Voilà, l'irrespect professionnel. Magnifique formule qui raconte tout, c'est-à-dire qu'on doute de tout, la pratique du doute, l'enquête, la précision, le regard sur le temps et de la hauteur de vue, essentiellement beaucoup de hauteur de vue. Et puis il avait une autre formule qui en disait long sur lui. Il disait, nous sommes une équipe de pensée qui a choisi de désespérer de rien. Voilà. Donc l'irrespect, mais bienveillant. L'irrespect, mais toujours avec un petit peu d'optimisme, un petit peu d'envie et Affirme de était très vie fort. en général, Mais pas puisque seulement, lui, bah, il aimait la vie, souvent, il aimait alors la même gastronomie, il aimait le vin, il relativement aimait nouveau pour l'opéra, ce il aimait devoir la de finir. littérature, il aimait les gens. Voilà, ça c'était Claude Imbert. C'est un géant, un immense journaliste qui vient de s'éteindre aujourd'hui. Et nous, au Point, évidemment, on a une grande pensée pour sa famille. Et de toute évidence, il est encore là parmi nous parce qu'il est l'âme, l'esprit du Point. Et ça ne changera pas.